pense qu'il y a tout le monde qui a la volonté de travailler dur et de montrer quelque chose. Il y a un nouveau coach, on a peut-être envie de courir un peu plus. Et surtout, il y a peut-être une volonté de ne plus jamais prendre 7-1 et de se battre, de s'organiser pour ne plus que ça arrive. Donc, encore une fois, j'ai rien senti, moi, j'ai pas senti de reste négatif de cette défaite. Je sens un groupe qui a travaillé pendant 3 jours et qui a faim. Et j'espère que dimanche, on pourra traduire ça en une belle prestation et en une victoire. On a travaillé pendant 3 jours des choses différentes. Et j'espère en tout cas que dimanche, il y aura déjà certains changements par rapport à ce qui s'est vu ou fait par le passé. Donc voilà, bon, on a commencé à travailler vers ces changements. Et j'espère que petit à petit, de match en match, on verra de plus en plus de changements et de bonnes choses. On a fait vraiment un petit peu de tout. On a parlé de notre base défensive, quelle est notre philosophie défensive de base. On a parlé des phases arrêtées déjà, comment est-ce qu'on va défendre ces phases arrêtées. On a parlé de comment est-ce qu'on va construire. On a parlé de comment est-ce qu'on va se comporter dans le dernier tiers. On a parlé de différentes choses, on a travaillé différentes choses, pas encore tout en profondeur, mais on a déjà introduit pas mal d'aspects du jeu. Jusqu'à présent, tout le monde me laisse une bonne impression, parce que tout le monde travaille, parce que tout le monde fait de son mieux. Alors bien sûr, il y a des choses à corriger, mais que ce soit les nouveaux ou les anciens, je pourrais emmener tout le monde avec. Malheureusement, je pourrais mettre que 18 noms sur la feuille, et il y en a un autre qui tombera, mais je pourrais prendre tout le monde, tant l'intensité est bonne, tant la volonté de bien faire est bonne, et voilà, il y aura des choix qui se feront automatiquement. Mener, il s'agit surtout non pas de ressasser le passé constamment, d'être occupé avec les gars, ça n'a pas été, ça c'est pas bon. Non, non, simplement, ok, à partir de maintenant, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça, et on travaille là-dessus. Et je pense que c'est suffisant, on ne doit pas aller ressasser le passé, tout corriger, ce qui n'a pas été. On doit surtout aller essayer des nouvelles choses, certaines nouvelles choses, et comme ça ne peut qu'aller mieux, je pense. En nous faisant plaisir, on fera plaisir au public automatiquement, et à tout le monde, et à tous les fans du Standard. Donc, on doit vraiment, vraiment y aller en osant, en se lâchant, et ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais en tout cas, on pourra rien regretter après le match.